กุจจ่ออ่องลุงยาประกาศมันต่อขจำราการในเต็มทีสำนักกาไอต่อตอนนี้ราวิทยาจุนเตอร์กรมลำนางสะปริญญาดำไปมันต่อกระตังสมุทรในดาวจะปูสะใสMerci, Monsieur le Président. Madame le témoin, je voudrais essayer de clarifier à nouveau le statut des différentes familles dont vous avez déjà parlé, qui avaient des origines vietnamiennes dans votre village ou à proximité de votre village. Ce que j'ai retenu tout à l'heure, c'est que vous avez dit qu'il y avait 3 ou 4 familles qui étaient nées sur place et qui résidaient à 1 kilomètre.De Krahamka. Et que les membres de ces familles venaient vendre des choses dans votre village. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Oui. Alors, concernant ces familles, si j'ai bien compris, elles étaient mixtes, donc c'est-à-dire.Soit le mari était Khmer, soit la femme était Khmer. Est-ce que les parents du mari vietnamien ou de la femme vietnamienne vivaient avec eux? Donc les parents vietnamiens, est-ce qu'ils vivaient avec eux dans le village? Donc, si je comprends bien, dans ces familles mixtes, il y avait des gens qui étaient purement vietnamiens, par exemple les grands-parents, et puis il y avait un enfant qui était marié à une personne khmer, et peut-être aussi des petits-enfants. Est-ce que je comprends bien ce que vous nous dites? Bon, je voudrais revenir alors à la façon dont on pouvait distinguer les Khmer des Vietnamiens à l'époque de Sihanouk. Est-ce qu'on pouvait facilement savoir, en regardant une personne ou en l'écoutant parler, qui était Khmer et qui était d'origine vietnamienne ? D'accord, mais à part le critère physique, est-ce que dans ces familles d'origine vietnamienne, certains des membres de ces familles parlaient le vietnamien ou parlaient le khmer, mais avec un accent vietnamien. Est-ce que vous avez remarqué cela? Est-ce que dans ces familles, on fêtait on avait certaines traditions, notamment fêter le nouvel an vietnamien, c'est-à-dire en février, plutôt qu'en avril? Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit des fêtes organisées par ces familles ou dans ces familles? D'accord, mais vous, en fait, vous ne saviez pas s'il le fêtait à la maison, par exemple. Vous n'aviez rien remarqué.
Est-ce que dans votre village ou dans la, plus généralement dans la commune de Chantrey, est-ce qu'il y avait des lieux de culte qui étaient réservés aux Vietnamiens, qui avaient été construits par des Vietnamiens? Ça pourrait être des temples, des églises. Bien, tout à l'heure, j'ai noté que vous avez dit, je crois que c'était en réponse à la toute première question, ou une des premières questions, qu'entre 1975 et 1979, les Vietnamiens avaient été chassés, renvoyés dans leur pays. Et quand mon collègue vous a demandé en quelle année, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas de cette année-là. Alors j'aimerais revenir là-dessus. Vous avez dit que des Vietnamiens avaient été chassés et renvoyés dans leur pays. Est-ce que c'était peu de temps ou est-ce que c'était plus tard? Je veux dire, est-ce que c'était peu de temps après que Phnom Penh soit tombé, c'est-à-dire avril 75, ou bien est-ce que c'était bien plus tard? Est-ce que vous vous souvenez? Mon nom le cro. Mon phong ping bay, varim bay. The tawi nai nai author, yum on dang nai. Et à ce moment-là, est-ce que c'était déjà à une époque où l'armée révolutionnaire était arrivée dans votre région? Autrement dit, communément, ce qu'on appelle les Khmers Rouges. Est-ce qu'ils étaient déjà là quand les Vietnamiens ont été chassés? Comment savez-vous alors que certains Vietnamiens ont été chassés et renvoyés dans leur pays? Comment l'avez-vous appris? Est-ce que c'est quelque chose dont on parlait dans le village? D'accord. Alors, je voudrais maintenant vous demander si entre 75 et 79, vous aviez l'habitude dans votre village de devoir assister régulièrement à de grandes réunions, à des journées où vous ne deviez pas travailler, mais vous deviez assister à des réunions. Est-ce que c'est arrivé? Miền đại bàn tới bị chôm thôm thôm tới lục rùm bàn bị chôm khi ai bùn đập nẹt mà cầu mới. Donc il n'y a jamais personne du district ou de la commune, des cadres Khmer Rouge qui sont venus dans votre village pour tenir une réunion avec les villageois? Alors j'en reviens alors à ces trois ou quatre familles mixtes avec des personnes vietnamiennes et des personnes, des couples khmero-vietnamiens et des enfants mixtes également. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous souveniez pas des noms, parce que vous ne les connaissiez pas assez bien, mais tout de même vous les voyez régulièrement, je pense. Vous avez dit que ces personnes venaient vendre des choses dans votre village. Comment se fait-il que vous ne vous souveniez pas des noms du tout? Est-ce que vous les connaissiez à l'époque, mais vous ne vous en souvenez plus?
aujourd'hui ou bien vous ne les avez jamais connus? លោកស្រីទៅតែភ្លេចនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេឬក៏លោកស្រីនៅសម័យនោះគឺថាអត់ដែលស្គាល់អីអ្នកទាំងអស់នោះតែម្ដងខ្ញុំអត់ស្គាល់មែនលោកគ្រូអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេផងគ្រាន់តែឃើញគេBien, et alors, s'agissait-il de trois ou de quatre familles? Est-ce que vous pourriez être un peu plus précise? Est-ce que vous en savez plus? Également, peut-être, nous dire combien parmi ces familles avaient le mari qui était Khmer et la femme vietnamienne?មាន3គ្រួសារលោកគ្រូខ្ញុំឃើញប៉ុណ្ណឹងParmi ces trois familles, est-ce que ក្នុងចំណោមទាំង3គ្រួសារហ្នឹងParmi ces trois couples mixtes, est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient vietnamiennes avec leur mari cambodgien? ប្រពន្ធវៀតណាមហើយមានប្តីខ្មែរ Si oui, combien y en avait-il? បើមានតែសរុបទាំងអស់ប្រមាណមាន5គ្រួសារលោកគ្រូខ្ញុំឃើញហើយបើក្រៅពីនោះខ្ញុំអត់បានឃើញផងខ្ញុំអត់ដឹងផងTout à l'heure j'ai entendu 3, là j'ai entendu 5 familles. Est-ce que vous faites une distinction entre ces 3 ou 5 familles? Et aussi je n'ai pas compris si vous avez...compris ma question ou non? Est-ce que vous pouvez me dire si vous aviez compris ce que je vous demandais? ម៉ែខ្មែរឪយូននឹងJe n'ai pas encore compris le chiffre 5. Est-ce que ça veut dire que dans chacune de ces trois familles, il y avait à peu près 5 membres? Ou bien j'ai tout faitគ្រូជាសູ້ដេញខ្ញុំអដេញវាម៉ែឪវាវា3គ្រួសារហើយដល់ពេលមកកូនវាបែកមកជាកូនជាចៅវាដល់មានប្តីវាប្រពន្ធទៅទាំងម៉ែទាំងឪវានោះបានប្រាប់គ្រួសារលោកគ្រូD'accord, donc trois qui étaient à l'origine, et puis des mariages mixtes qui ont suivi, et donc un peu plus grande communauté. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous avez vu quatre ou cinq adolescentsqui avait entre 10 et 15 ans, qui était métis, donc khmero-vietnamien, venant de cette famille de votre village, qui avait été emmené. Et on leur avait dit qu'ils seraient transférés dans une unité mobile. Mais vous avez utilisé devant les enquêteurs des juges d'instruction le mot « arrestation ». Et ce matin, vous l'avez encore utilisé. Alors, qu'est-ce qui vous a fait penser que cette personne n'était pas seulement transférée, mais était bien arrêtée ? Je pense que le monde est en Vietnam, il y a 4-5 ans, et il y a un peu de temps pour que le monde soit.ខ្ញុំឃើញគេមកចាប់ទៅថាយកទៅកងចល័តទាំងកូនបងប្អូនខ្ញុំទាំងអីទៅកងចល័តទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងលោកគ្រូ
Est-ce que vous savez si ces personnes sont vraiment allées, sont vraiment parties dans les unités mobiles ou non? Et quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour pouvoir le dire? Merci. Tư con chân lát mến lúc cụ tư lực của quan lực xa chị và lai chị xa hay nó lúc cụ khai châu chân tới từ châu khai stung từ stung thằng ông thằng kia nó cái do tư đúng ce que je voulais savoir si c'est si vous dites que les gens ont été arrêtés. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont survécu au régime ou bien qu'ils auraient été, par exemple, exécutés ou bien qu'ils seraient morts d'autres motifs? Est-ce que vous pourriez clarifier? Mr. President, I have two objections, actually. First of all, it's been very repetitive. families being sent to Vietnam. Having said that, I come to my second objection. C'est bien ça que j'essaye de clarifier, Monsieur le Président. J'ai également donné une troisième possibilité. Donc, en fait, ce qui m'interpelle, c'est que votre utilisation du mot arrestation. Le mot arrestation, en tout cas en français, veut dire que quelqu'un est emmené et puis est privé de liberté, soit après la personne est libérée, soit il peut aussi subir des mauvais traitements ou être tué. Donc, quand vous avez utilisé le mot arrestation, vouliez-vous seulement dire que ces personnes avaient été affectées ailleurs, qu'ils avaient vraiment été arrêtées? ឬក៏លោកស្រីសំដៅលើការចាប់ចោលដល់អ្នកទាំងអស់នឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៅទទួលឃោសវិស្គរពុរីក្លារីហ្វាយ Sorry, an additional comment. Short questions, not seven options. Nobody remembers in the end the options and the consequences of the options. So perhaps for the benefit of everybody, but specifically the witness, short questions. Je vais repartir de la citation du procès-verbal d'audition de madame, c'est E3-7796. Cela a été cité tout à l'heure. À la page en français 002829-08, en Khmer 002507-1919. Et en anglais, 00-26-86-45. C'est en fait la toute première réponse de Madame le témoin aux questions. Et voilà ce qui est indiqué. Je cite, en 1977 également, 4 ou 5 métis vietnamiens, dont le père cambodgien et la mère cambodgienne, ou dont le père vietnamien et la mère cambodgienne, dont je ne me rappelle pas leur nom, ont été arrêtés et emmenés pour de bon. Ils vivaient dans ce village de Krahamka depuis bien longtemps. Fin de citation.
Thank you, Mr. President. My W.R.I. in English, it says, is maybe a new edition. So I would like to be clear on what the exact words are in the W.R.I. Can you repeat that, please? On va clarifier cela. En tout cas, la version française dit ce que j'ai lu. Et en anglais, effectivement, il est dit « arrested and taken away ». Et donc, c'est pour cela, Monsieur le Président, je m'arrête sur ce mot « arrêter », qui a une signification bien particulière. Ce n'est pas seulement « transférer quelqu'un ». Donc, peut-être pour clarifier une dernière fois, Madame le témoin, quand vous dites que ces 4 ou 5 métis vietnamiens ont été arrêtés et emmenés, est-ce que vous savez ce qui leur est arrivé ou non? Est-ce qu'après 1979, vous avez revu ces 4 ou 5 adolescents dans votre village, ou bien n'ont-ils plus jamais réapparu? Et les parents de ces enfants, est-ce que vous les avez revus? Est-ce que c'est à la fois c'est l'ensemble de ces familles que vous n'avez jamais revues? Ou bien c'est seulement les personnes d'origine vietnamienne dans ces familles? Est-ce qu'au village, que ce soit pendant le régime du Kampuchea démocratique ou après 79, est-ce que des villageois étaient au courant de ce qui était arrivé à ces personnes? Est-ce qu'ils en ont parlé? Bon, je close ce chapitre-là, j'en viens à un autre thème, qui est celui du sort qui a été réservé à votre frère, Miss Sakun. Je prononce sans doute mal, M-E-A-S, et l'autre nom c'est S-A-K-H-O-E-U-N. Est-ce que vous confirmez que c'était bien votre frère cadet? Miss Sakun, c'est un petit peu de frère cadet. Si je ne me trompe pas, les personnes qui vous ont rencontrées dans le centre de documentation du Cambodge vous ont montré, vous ont lu la biographie de votre frère à Thul Sleng, à S21. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous vous en souvenez? Pourtant, dans votre procès verbal d'audition, E3-7796,
En français, c'est la page 002829-09. Et en Khmer, je pense... J'ai un chiffre de trop. Que c'est 002507-20. En anglais, 002686-86-46. Et vous avez déclaré ce qui suit aux enquêteurs des juges d'instruction. Je cite. En 2005, le personnel d'une organisation est venu chercher mon petit frère en m'apportant la biographie des prisonniers de Tulsland. Je ne suis pas sûr que la traduction soit très bonne en français, mais ce que j'en comprends, c'est qu'on vous aurait montré la biographie de votre petit frère en 2005. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Quand vô tới mến lục crew quật tới sưu rơ ọpục mđai khñom hay đó quật slap ọt tới nơi ta khñom quật vô tới ao khñom lục crew khñom đạt đặng bọn khñom slap phong. D'accord. Alors, cette biographie E3/25-37 mentionne que votre frère a été arrêté à l'âge de 23 ans. À quel âge avait-il rejoint les rangs de l'armée révolutionnaire, à peu près? Je veux savoir si votre frère a été arrêté à l'âge de 23 ans. La biographie indique qu'il se serait engagé en 1972. Est-ce que cela correspond également à votre souvenir? C'est-à-dire trois ans avant la libération de ou la prise de Phnom Penh. Est-ce que vous savez à quelle unité militaire votre frère, votre petit frère, était rattaché? Et où il travaillait? Đang ăn cặp hiệp na tới lục rung tại vì thui cá vì nơi cao tiệc nhau nơi tam rung đài. Je vais simplement dire ce que dit la biographie. La biographie de votre frère, Rizaïs 21, indique qu'il était chef de section militaire au sein du district de Romia Hek entre 1972 et 1975, puis chef de section au sein de l'armée de la région 23. Est-ce que vous saviez quel était le grade de votre frère, s'il en avait un? Thank you, Mr. President. Three observations. First of all, I think it's E/5/36. Secondly, a request for clarification, where does it say that this is in fact an S-21 document? And third, is it the prosecution now doing what I'm always reprimanded for, using an S-21 document? La dernière remarque est très facile d'y répondre.
il y a une très nette distinction entre l'utilisation du contenu, de la substance des aveux obtenus sous la torture AS21 et l'utilisation d'une simple biographie qui est une page qui détaille simplement les positions, les différentes années où quelqu'un a exercé une profession. Cette page n'émane pas normalement du détenu sous la torture, c'est simplement un résumé biographique. Et je ne pense pas que ça tombe sous les documents qui ne pourraient pas être utilisés devant cette chambre. S'agissant de l'origine, effectivement, c'est un document qui a été libellé comme cela, découvert par CDCAM sur place à Tulsland. Je n'ai pas le détail de la découverte du document précis en question, mais il ne diffère pas de l'ensemble des biographies qui ont été découvertes à S21. Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le Président? Est-ce que vous saviez si votre frère était...
ដោយអង្គជំរះត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីសួរបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខ្ញុំប្រឈមនឹងត្រូវការកោះហៅសាក់សីដើមដឹងរបស់នេះសម្រាប់មកស្ដាប់ទៅខែកម្មនៅសប្ដាក្រោយដែលកំពុងតែប្រឈមនាពេលនេះដែលអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់ភាគីរបស់ភាគីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះឲ្យច្បាស់លាស់កិច្ចលោកច្រឡំថាមួយល្ងាចនេះគឺប៉ាវដាច់ទៅ Monsieur le Président, ce matin, quand nous avons commencé, vous nous avez dit que nous avions droit à deux sessions. Nous avons aussi, je le souligne, été prévenus hier que ce témoin viendrait aujourd'hui au lieu de la semaine prochaine. Ce qui veut dire qu'en termes de préparation, on est peut-être un peu moins pointu que ce qu'on aurait pu être autrement. Je reprends ma question, je vais essayer d'avancer plus vite. ព្រឹកមិញយើងឲ្យពេលវេលាអស់ 40 នាទីហើយអង្គជំរះត្រូវការពេលវេលាឥឡូវនេះបន្តិចទៀតនេះដើម្បីស្ដាប់ភាគីអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលប្រឈមនឹងកង្វះដើមដឹងរដ្ឋប្រវិនីនិងសាក់សីដែលអង្គជំរះមានគម្រោងនឹងកោះហៅមកធ្វើសាក់សីកម្មស្ដាប់ទៅខែកម្មនៅក្នុងសប្ដាក្រោយនេះ Bon, je vais poursuivre. J'ai bien compris que la Chambre avait besoin de 40 minutes, mais je ne suis pas sûr que c'est sur le temps qui nous a été accordé que ces 40 minutes seront prises. ពេល 40 នាទី ហើយ ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា ដក ពេល ប៉ុន្មាន ដែល ត្រូវ ចែក មក ឲ្យ ខាង យើង ខ្ញុំ បាទ ឥឡូវ នេះ អង្គ មេះ ត្រូវ ការ ដក 40 នាទី នៅ រសៀល នេះ ដើម្បី ធ្វើ កិច្ច នីតិវិធី ផ្សេង ទៀត មិន មែន ដក ពី លោក ទេ គឺ ពេល វេលា ដែល អង្គ ជំរះ បាន ប្រើ ប្រាស់ ការ ពី ព្រឹក មិញ លោក បើ ប្រើ ព្រះ ពី ព្រឹក មិញ រួច ហើយ D'accord. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, c'est plus clair, la traduction est plus claire. Madame le témoin, est-ce que votre frère était gradé ou simple soldat? Est-ce que vous le savez? Mr. President, and ask your ruling. Is the prosecution allowed to refer to this document being an S21 document? If I can't, then the prosecution cannot either, and it's not an S21 document, so we need to rule on that as well. លោកវិទ្យាកូពេអញ្ជើញងើបឈរលោកជំទាស់ឬក៏លោកកត់សម្គាល់ យើងស្ដាប់ខ្មែរគឺគ្រាន់តែលោកកត់សម្គាល់ទេលោកមិនបានប្រើជំទាស់ទេនៅក្នុងនីតិវិធីដែលយើងធ្វើកន្លងមកនេះគ្រាន់តែជាការកត់សម្គាល់យើងមិនត្រូវសម្រេចអីទេ Correct. That's why it's now an objection. បាទលោកប្រធានមានសាសត្រូវហើយមិនមានការជំទាស់អ្វីទេចេះបន្តទៀតMerci. Alors, j'essaye encore une fois avec le... Ça fait n'y a, ça m'a encore une fois, j'ai mis un peu de temps dans le tête.
បាទអង្គជំរះសម្រាប់បដិសេធនៅការជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីរបស់នួនជាគឺមេធាវីបច្ចកោពេដែលសារបញ្ហានេះគឺអង្គជំរះធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយយើងតែចំណុចបញ្ហាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរូបឈ្មោះទីកន្លែងកំណើតរបស់អ្នកដែលមានប្រវត្តិរូបនៅសម 26 មួយប៉ុណ្ណោះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសួរលើខ្លឹមសារនៃឯកសារដែលបានមកពីធ្វើការទរណកម្មទេហើយតែសំណួរដែលកន្លងមកនេះគឺជាសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធតែនឹងប្រវត្តិរូបដោយអ
ສົມບຈະອະທາເມດະວີນະບອກປາຍພາສາປະຍັດປະຍາຍແມ່ນແຕ່ນະກະລາປາປິນະອ້າຍຈຸມຕົວໃຫ້ນຶງກອດກອດສົມກອນນັ້ນຄືຄ້ແມ່ກອດສົມກອນເຈີນດອງຕໍ່ໃຫ້ດາເປມາອັງກະເລທາຈຸມຕົວນີ້ອ້າຍປະທຽນສະມະນາການສດັບພາສາຄ້ແມ່ດາເປຄົ້ຄະນີ້ອີ່ຈັ່ງເຖີມັນເຈີກອດສົມກອນອ້າຍຈຸມແລະມັນຖືກສໍາຫຼັດອີ່ເດຈັ່ງສົມປະຍັດປະຍາຍໃນການປາປິອ້າຍແມ່ນແຕ່ນະກະບອກປາຍພາສາ There might be another translation issue. If I understand Council correctly, he objected to the use of a biography. This is a biography, not a confession. Have I got that right? Has this been translated now, so everybody is on the same level? Yes. Question in this context, does the prosecution who wishes to use the document have any information on where this document was produced? As we know, some biographies came from outside, some were written while people were there, meaning in S21, is there any information to this effect? Merci. Ce que je sais, c'est que ce type de biographie de détenu qui porte une date d'arrestation, je dis en général, vient des 21. En raison du temps qui nous a été alloué, du fait qu'il y a eu interversion de témoins, je n'ai pas pu creuser davantage cette question, mais on pourra revenir là-dessus par la suite si cela convient à la Chambre. En tout cas, toujours est-il qu'il s'agit bien d'une biographie, mais pas n'importe laquelle, d'une biographie de détenu. À ma connaissance, il n'y en a pas qui ont été découvertes ailleurs. Les seules archives qu'on ait ailleurs par rapport à un pays qui ne concerne pas S21, c'est celle de Krang Tachan. Il n'y a pas ce type de biographie de détenu qu'on a découvert là-bas. Je reviens, Madame le témoin, si vous êtes toujours avec nous, à une simple question. Est-ce que vous saviez quel rang ou quel grade votre frère occupait-il dans l'armée, s'il en avait un, ou bien est-ce qu'il était un simple soldat? តើជាទាហានមានឋានៈធម្មតាឬក៏មានតំណែងអ្វីដែរចាខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកគ្រូគ្រាន់ថាវាទៅធ្វើទាហានហើយវាមិនដែរមកផងខ្ញុំមិនដឹងវាធ្វើធំធូរតូចអីខ្ញុំអត់ដឹងផងហើយវាបាត់ទៅ Savez-vous s'il a été arrêté? Et si oui, savez-vous à peu près quand? ខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកគ្រូតែមិនឃើញប្រវត្តិរូបទៅពីហ្នឹងទៅពីពេញហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំដឹងផង Est-ce que vous avez jamais entendu dire dans votre district de Romiskek que les militaires qui étaient postés le long de la frontière vietnamienne avaient trahi l'Ankar? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu à l'époque?
Việt Nam ban khắp bọt ông ca đại rực thế ta lục thu lọc bàn lưu bìa bạp nít thế nâng nông bê đại lục xảy nợ tì nô. Đăng đại lưu tế lục cổ. Đại lưu kinh dây phòng. Bien, vous aviez l'air de dire à l'instant que vous aviez appris l'arrestation de votre frère à cause de cette biographie qu'on vous a lue. Vous aviez dit quelque chose d'autre dans votre procès verbal d'audition, le 3/7/9/6, à la page en français 2/8/2/9/09, en anglais c'est à la page 3, en khmer aussi à la page 3. C'est à la première réponse. Vous avez dit ceci, vers mi-1978. Et puis plus loin, vous avez dit, je cite, au même moment, mon petit frère Mir Sakorn, militaire du district de Romy Hek, a été arrêté et a disparu pour de bon. On lui avait dit qu'il devait aller construire des pistes de l'aéroport de Kampong Shnan. Et un peu plus loin, dans la réponse numéro 2, vous avez dit ceci. La disparition de mon petit frère s'appelant Mir Sakorn a eu lieu au moment où des militaires de l'Est étaient arrêtés en masse par des gens du Sud-Ouest, sans aucune raison connue, environ mi-1978. Alors, est-ce qu'en 1978, vous saviez qu'il avait été emmené et qu'il était censé construire des pistes de l'aéroport de Kampong Chenang? Cha con thể hiện nâng nung đai thể hiện khi việc práp khiom tha cái giờ tới co sang nơi tarang pa lho khuong chnang mên lu kru. Et un de ses camarades, alors est-ce qu'il l'a vu à Kampong Chnang ou bien il vous a simplement rapporté qu'on lui avait dit qu'il serait envoyé à Kampong Chnang? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce qu'effectivement votre frère est arrivé à Kampong Chnang ou bien n'y est-il jamais allé? Est-ce que ce camarade vous en a parlé? Hàng đạn lan thà thực thua rằng các bạn họ nơi cái buồng chăng vì mình đăng thà từ cái buồng chăng cái buồng chăng mới đăng đá lục trụ vì một tiệc với nhà nông. Est-ce que vous savez ce que vous avez appris si votre frère ta lục sậy est parti đăng seul dans un camion ou bien y a-t-il eu un déplacement de nombreux militaires de la zone Est à ce moment-là? Est-ce que vous savez à peu près de quel endroit ces gens ont été envoyés par camion? Quel était donc leur point de départ? Ça peut être une commune ou un district de votre région. Est-ce que vous savez à peu près à quel endroit ces gens ont été envoyés par camion?
kruan ta hien ta hien khnia ve ve ruot ruich mong veng ve prab khnyom nang cheing ta pi na veng luk kru ve mau ve prab khnyom ve ot skual tha baon khnyom phong nang da su khnyom ban tha baon khnyom ao ve prab khnyom hai bat rahot teu D'accord, mais ma question était de savoir à partir de quelle commune, de quel district de Zweiring, votre frère, avait embarqué dans ce camion. Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, vous dites simplement que vous ne le savez pas. Prab lok kru ta nam dang khom dang phong khom at ban khoeng bien autre thème ban est-ce que vous saviez à l'époque entre 75 et 79 comment s'appelait le chef du district de Romier-Hec ta lok srei skol Pratin Rico Kana Srok Romi Hai Dete, Minna Kla Rico Chmuhawai. Sometime Kurl look room to add squall smoke. Pit for Pratin, I am squall my pit prar wrong eye. Vous aviez donné un nom devant le CDCAM, donc en 2005, quand vous avez été interrogé. Je n'ai pas la page en Khmer, malheureusement, Monsieur le Président, mais en français, c'était la page 12, et en anglais, à la page 8. Et vous aviez dit que le chef de ce district s'appelait le vieux Ta Sopal. S-O-P-H-A-L. Est-ce que vous vous souvenez de ce nom ou bien vous n'en êtes pas sûr? Ta l'oxray, ne pas sûr. Donc vous n'êtes pas très sûr de savoir si c'est le chef de district ou le chef de commune. C'est ça que je comprends. Mr. President, very small observation. It's not this witness was saying that the name of the district chief Tasopal is, but it's a neighbor who was apparently also part of that interview. And then the witness says, I know Tasopal, and then talks about to whom he was married. So it wasn't her in DC Clem statement who said that. Oui, maître, il a raison. Mais la réponse suivante du témoin a l'air de corroborer le fait qu'elle le connaît, que ça pouvait être le chef du district, mais madame vient de préciser qu'elle ne le savait pas. Est-ce qu'à un moment donné, au niveau de votre district, de votre commune, de votre village, de Kraramka, les cadres qui étaient en place depuis 1975 ont été tous changés?
Et au niveau du district, qui a remplacé l'ancien chef? Est-ce que vous savez qui c'était, d'où il venait? ថាតើអ្នកណាអ្នកថ្មីមកជំនួសមកពីណាលោកស្រីបានដឹងទេខ្ញុំថៃកុំលឺគេនិយាយគេមកជំនួសនោះគេឲ្យអ្នកចាស់ចេញអ្នកថ្មីមកមកពីនារដីលោកគ្រូនារដីហ្នឹងឯណាវិញទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរTrès bien, et tout dernier thème, et je mentionne à l'intention de la Chambre que les avocats des parties civiles n'ont pas de questions pour ce témoin. Est-ce que vous pourriez brièvement nous parler de la pratique de la religion bouddhique sous le régime du Kampuchea démocratique? Est-ce que vous pourriez toujours aller à la pagode entre 1975 et 1979? Et pourquoi n'y avait-il rien à la pagode? Pourquoi les moines avaient-ils été défroqués? Est-ce que quelqu'un parmi les cadres locaux vous a expliqué pourquoi? នៅតែវត្តតេតេវត្តមួយមួយមានលោកផងឯកេតលារីវេអូស្តាតូដេប៊ូដាដងឡាប៉ាហ្គោដអេលេម៉ូណាស្ទែរចុះតើរូបពុទ្ធបដិមាករនៅតាមវត្តតាមវិហារយ៉ាងដូចម្តេចដែរគ្មានទេលោកគ្រូគេលោកចៅល្អហើយតាមពុហាគេលោកព្រះលោកអីយ៉ាងចោលអស់ហើយឯឡាប៉ាហ្គោដឌូសាន់ត្រេវូសាវេអាខ្វាអ៊ីលសឺវេឌូរ៉ង់តាលោកព្រះដឹង75-79វត្តចាន់ត្រេនេះគេយកប្រើធ្វើជាអ្វីរវាងឆ្នាំ1175-1179ខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកគ្រូអត់ដែរទៅផងតែឃើញនៅសល់តពហាសល់តអីតែគ្រាន់លោកតរូបព្រះរូបអីងលោកចេញអស់ហើយអូ moment où les statues ont été détruites et où les moines ont été défroqués est-ce que cela vous a paru normal ou cela vous a choqué ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញហើយគេផ្សឹកលោកសង្ឃកាលនោះតើវាជារឿងធម្មតាចំពោះលោកស្រីឬក៏លោកស្រីយល់ឃើញថាដូចម្តេចដែរកាលនោះខ្ញុំមានយល់ឃើញថាម៉េចយល់ឃើញថាបើគេឲ្យផ្សឹកអស់ហើយបើមិនផ្សឹកនៅមានបាយណាឆាន់ទេMerci madame le témoin, je n'ai plus de questions à vous poser. សាភិញ្ញាសូមអរគុណលោកសេសាសីខ្ញុំមិនមានសំណួរអ្វីសួរទៀតទេបាទ បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយជប់កាសសម្រាប់នេះចាប់ពីនេះរហូតដល់ម៉ោង3ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ភារៈមន្ត្រីរដ្ឋបាលការនរមរុះផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រួមចំរមាក់ប្រាក់ស័យដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នៅអញ្ជើញគាត់មកកន្លែងផ្ដល់សកម្មវិញនៅវេលាម៉ោង3ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញក្រុមឈរ